Bonjour mes enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer notre travail et on va voir l'attribut du sujet. Vous savez bien que les verbes d'état sont être, paraître, avoir l'air, demeurer. Devenir, rester, sembler, allez compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et on ajoute, passer pour. Ces verbes-là, on les appelle les verbes d'état ou bien les verbes attributifs. On les apprend par cœur. Pourquoi on les appelle ainsi? Car après ces verbes, toujours il y a ce qu'on appelle l'attribut du sujet. Voilà. Pas oublier que les verbes d'état sont être, paraître, avoir l'air, demeurer, devenir, rester, sembler, passer pour. J'ai dit on les appelle les verbes d'état ou bien les verbes attributifs. Pourquoi? Parce que après chaque verbe vient l'attribut du sujet. L'attribut du sujet peut être un adjectif qualificatif. Un adjectif qualificatif. Exemple, le ciel est nuageux. Ouais. Voilà le verbe d'état, c'est être, verbe d'état. L'attribut du sujet, c'est nuageux. C'est un adjectif qualificatif. C'est l'attribut du sujet. L'attribut du sujet peut être aussi un groupe nominal. Exemple, Rachid devient le responsable de la classe. Le responsable.
simple de la classe. Le responsable de la classe est un groupe nominal attribué du sujet. Devenir, c'est le verbe devenir bien sûr, c'est verbe d'être. Voilà. On va faire un petit exercice. Complète la phrase par un attribut du sujet. Attention. Notre classe et on vient ici, on écrit adjectif, c'est-à-dire on va compléter la phrase en attribut du sujet qui doit être adjectif. Là, mon ami. Et là, on nous a demandé un groupe nominal. Alors, comment va-t-on faire? Notre classe est, on doit ajouter ici un adjectif qualificatif convenable, bien sûr. On peut dire, notre classe est vaste. Vaste, c'est-à-dire grand. Voilà un adjectif qualificatif. Ou bien, notre classe est propre. Là, mon ami reste. On nous a demandé un groupe nominal. Reste le meilleur de l'équipe. Voilà. C'est un groupe nominal attribut du sujet. Là, c'est l'attribut du sujet. Voilà. Merci beaucoup. Pour les exercices d'application, vous allez les trouver sur l'application Savasu. Et au revoir.